1952. La guerre d'Indochine, la guerre oubliée, dure depuis 5 ans. Voilà 5 ans que le petit peuple vietnamien, ballotté entre les Français et le Viet Minh, essaie de fuir les horreurs de la guerre. C'est une guerre lointaine et absurde, qu'il ne faut surtout pas perdre, mais qu'on est résigné à ne pas gagner. Voilà 5 ans que le corps expéditionnaire patauge dans la boue des rizières. La France, accaparée par la guerre froide en Europe, n'envoie aucun renfort. Les troupes françaises ne contrôlent plus que l'Indochine utile. Au sud, Saïgon et le delta du Mékong, avec les hauts plateaux, et au nord, Hanoï et le delta du Tonkin. Le Viet Minh règne plus ou moins sur le reste du pays, mais la partie se joue au nord, où le général Giap possède maintenant 6 divisions régulières qui assiègent le delta. Giap a cru un moment qu'il tenait la victoire. Selon la théorie de Mao, qui est alors son modèle, il a voulu passer à la phase numéro 3 de la stratégie révolutionnaire, l'offensive générale. Mais en rase campagne, le corps expéditionnaire français est encore le plus fort. Le général Salan, nouveau commandant en chef qui a 13 ans d'Indochine et qu'on surnomme le mandarin, bloque toutes les offensives de son ancien ami le général Giap. C'est le match nul. Les divisions Viet ont subi des pertes très lourdes, des dizaines de milliers de tués et de prisonniers. Mais le réservoir est inépuisable. Ces paysans sont entrés dans la lutte par patriotisme. On en a fait des communistes en acier trempé. Plus la guerre dure, plus le communisme gagne du terrain et plus il se durcit. Fin 52, Giap change de cap et lance 3 divisions Viet vers l'ouest, vers le pays Thaï, où les Français maintiennent encore quelques postes isolés, dont Giallo. Par surprise, toute une division Viet Minh, la 308, attaque un Giallo tenu par un seul bataillon. Giallo tombé, tout le dispositif français en pays Thaï menace de s'écrouler. Les Français ripostent alors en créant un Nasan, un camp retranché pour fixer le déferlement des divisions Viet. Une nouvelle tactique, inspirée de la défense en hérisson, utilisée par les Allemands en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une plaine, une piste d'atterrissage, 7 points d'appui fortifiés, une garnison de 12 000 hommes et une solide artillerie. Deux divisions Viet vont s'y casser les dents.
Quand Na San est évacué en bon ordre 6 mois plus tard, le Viet Minh a perdu 7000 hommes, pour rien. C'était le but de l'opération, on a cassé du Viet. Une grande victoire, annoncent les communiqués français. 1953, le général Eisenhower devient président des États-Unis en promettant la fin de la guerre en Corée. « Je ramènerai les boys à la maison pour Noël », a-t-il juré. Deux mois plus tard, Staline meurt, pleuré et célébré par les communistes du monde entier, y compris les communistes français qui jurent de lui rester fidèles à tout jamais. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической. En fait, la déstalinisation commence, et avec elle la détente prônée par les nouveaux dirigeants. Fini la guerre de Corée. En août, les boys rentrent à la maison, accueillis comme des héros. Les États-Unis, pour la première fois, n'ont pas gagné la guerre, mais enfin, ils ne l'ont pas perdue. Et la France se retrouve toute seule sur les sentiers de la gloire. En Indochine, la guerre continue, avec ses embuscades meurtrières. Conflit de plus en plus impopulaire en France, où le Parti communiste fait maintenant campagne ouverte contre la sale guerre, avec Thorez et Joliot-Curie. Il a son martyr, le quartier maître Henri Martin, qui distribuait des tracts et que le gouvernement a jeté en prison. Après une crise gouvernementale de 35 jours, un nouveau gouvernement est créé en juin, dont le but avoué est d'en sortir à tout prix. Il est présidé par Joseph Laniel, un grand-père normand qui ne sait dire ni oui ni non. Le gouvernement nomme un nouveau commandant en chef. Pour remplacer le général Salan, l'officier qui connaît le mieux l'Indochine, il choisit le général Navarre, un brillant cavalier, pour la raison qu'il ignore tout de ce pays. Mais pour quelle politique? C'est la question que se posait son aide de camp, le capitaine Jean Pouget. Quand le général Navarre est arrivé, il a ouvert un dossier tout de suite. Et sur ce dossier, moi, j'avais écrit « but de guerre ». On allait chercher ce qu'il fallait dire à la troupe. Eh bien, je peux vous dire que, jusqu'à la fin, ce dossier est resté pratiquement vide. On n'a jamais pu arriver à exprimer de façon concrète ce qu'on appelle dans l'armée, c'était une technique « but de guerre ». Les Américains, eux, savent pourquoi les Français se battent en Indochine. Si l'Indochine tombe, explique le président Eisenhower, l'Indonésie tombera. Puis ce sera le tour de la Birmanie. Et bientôt, l'Inde sera débordée. Si un domino tombe, il entraîne tous les autres. Il faut donc arrêter ça quelque part. Et c'est exactement ce que font les Français en Indochine. Aussi, quand nous votons 400 millions de dollars d'aide à la France, ce n'est pas un cadeau, c'est la façon la plus économique de défendre la chose qui nous est la plus précieuse, la sécurité des États-Unis. Le jeune et bouillant vice-président Richard Nixon vient en Indochine pour encourager les Français. Il dirige en Amérique le clan des Faucons, qui, avec le secrétaire d'État Foster Dulles, et l'amiral Radford, qui commande dans le Pacifique,
mène la croisade contre la Chine communiste. De toute façon, l'Amérique paie maintenant 80% des frais de la guerre d'Indochine. Une guerre pratiquement gratuite. Alors pourquoi l'arrêter ? Fin 53, Jap a rassemblé 3 divisions dans le nord-ouest du Tonkin avec l'intention manifeste d'envahir le Laos, ce qu'il a déjà tenté 3 mois plus tôt. Pour lui barrer la route, l'état-major français établit un camp retranché à Dien Bien Phu, comme à Nassan. C'est la tactique à la mode. Dien Bien Phu, un lieu historique, une des clés du sud-est asiatique, au carrefour du Siam, du Laos et de la Chine du Sud. C'est la capitale des Thaï, la principale minorité ethnique d'Indochine. De petits hommes aux traits fins, venus des steppes d'Asie et qui se sont révoltés plusieurs fois au cours des siècles contre leurs maîtres vietnamiens. Aussi, les Français ont réussi à constituer avec eux de nombreux maquis en plein territoire Viet Minh. Le 20 novembre 1953, 125 Dakota larguent 3 bataillons de paras sur la plaine de Dien Bien Phu, occupée par un régiment Viet Minh. C'est l'opération Castor. Les paras du général Gilles tombent par surprise sur les Viet à l'exercice et après 6 heures de combat, occupent la plaine. Le lendemain, l'aviation parachute un bulldozer pour aménager la piste d'atterrissage. Et le surlendemain, le général Cogny, qui commande au Tonkin, peut atterrir à Dien Bien Phu. L'opération est un succès complet. En un mois, le pont aérien transporte 11 bataillons qui transforment la plaine en un immense camp retranché. Au milieu, la piste d'atterrissage, protégé à l'ouest par les points d'appui Huguette et Claudine, installés dans la plaine, et à l'est par les points d'appui Dominique et Eliane, installés sur 5 collines. Au nord, en avant-garde, Gabriel et Béatrice. Au sud, Isabelle. Pour le commandant en chef, le général Navarre et tout son état-major, Dien Bien Phu n'est pas une base défensive, mais offensive. Pour cela, il nomme à la tête de la garnison le colonel de Castres, un spahi aux 18 citations, célèbre pour son calot rouge. Avec l'appui des chars, arrivés par avion en pièces détachées, on va semer la pagaille sur les arrières des Viet. Dien Bien Phu. Ici va se jouer le sort de la guerre d'Indochine, sur ce champ de bataille délibérément choisi par le commandement français. 16 kilomètres de long, 10 kilomètres de large. C'est le champ clos idéal. Quand l'ennemi dévalera des montagnes, on le verra venir de loin et on pourra l'écraser avec l'artillerie. Pourvu que Jap relève le défi, pourvu que les divisions Viet qui se glissent toujours entre les mailles du filet accepte enfin le duel en bataille rangée. On verra alors qui est vraiment le plus fort. Moi, j'ai vu défiler à Dien Bien Phu toutes les autorités civiles et militaires. À moins d'avoir une mémoire complètement tordue, je ne me souviens absolument pas, mais absolument pas, et je l'affirme, que quelle que soit l'autorité, je n'ai pas trouvé que Dien Bien Phu était une position formidable. Ce n'était pas la cuvette, c'était la grande base aéroterrestre. C'était Verdun, comme a dit le général Blanc, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez, Dien Bien Phu? Mais c'est Verdun. C'est imprenable. Bien. Et après, on n'en trouvait plus de gens pour vous dire ça. C'était une faute qui était tellement visible que n'importe quel petit écrivaillon de province s'en était aperçu. Je ne parle pas des capots qui tous le savaient. Ho Chi Minh et Jap vont relever le défi, pour des raisons aussi politiques que militaires.
Ils savent que la France est fatiguée de cette guerre et qu'elle veut négocier. Il faut se mettre en position de force, à n'importe quel prix. Au point de vue de la stratégie comme de la tactique, notre science militaire allie toutes les formes de lutte. La lutte militaire à la lutte politique. Comme je vous l'ai dit, pour nous, il n'y a pas de stratégie pure militaire. Il n'y a de stratégie que générale, synthétique. Et c'est cela qui fait la force de notre art militaire. Le 6 décembre, Ho Chi Minh décrète la mobilisation générale du peuple et déclare « Si nous gagnons cette bataille, nous aurons tout gagné. » En décembre, Giap donne l'ordre à toutes les divisions Viet Minh qui sont en position dans le Delta de rallier Dien Bien Phu. La 316, la 308 qui montait la garde au Viet Bac, la 304 qui était au sud et qui va faire 400 km à pied en 2 mois à travers plaines et montagnes, en se camouflant à cause des avions français. C'est comme une forêt qui marche. Dien Bien Phu est à 300 km des bases du Viet Minh, ont calculé les généraux français. Jamais Giap, qui n'a pas d'aviation, pourra amener et ravitailler ici plus de 2 divisions. Ils ont compté sans l'armée de fourmis mobilisées pour transporter le riz et les munitions, 75 000 coulis et 10 000 bicyclettes chargées de 100 à 200 kilos. Ce seront nos taxis de la Marne, a déclaré Giap. L'une d'elles est conservée au musée de la guerre à Hanoï, car elle a battu tous les records avec 300 kilos. Que faisait ce Marcel, son ancien propriétaire en Indochine? Une interminable colonne chemine de jour et de nuit vers Dien Bien Phu. En un temps record, une autre armée de fourmis construit une route à travers la jungle, qui sera la première piste Ho Chi Minh. Car les bicyclettes de Dien Bien Phu, comme les taxis de la Marne, sont surtout un symbole. Les 500 camions Molotova, livrés d'urgence par la Chine de Mao, seront autrement plus efficaces. En janvier, 4 divisions se mettent en place tout autour de Dien Bien Phu. 33 bataillons, 51 000 hommes contre les 11 000 du camp retranché. À la même époque, les 4 grands se réunissent à Berlin, soi-disant pour parler de l'Allemagne. En fait, tout le monde pense à Dien Bien Phu. Les 4 décident d'organiser en avril une grande conférence à Genève avec la Chine de Mao pour établir la paix en Corée et en Indochine. Ouf, on va enfin négocier, pourvu qu'il n'arrive rien entre-temps. Le gouvernement envoie M. Pleven, ministre de la Défense en Indochine, pour s'en assurer. À Dien Bien Phu, 2 mois ont passé et les Viet n'attaquent toujours pas. L'état-major français est déçu. Monsieur Pleven lui pose quelques questions inquiètes. Le colonel de Castres lui répond « Ne vous en faites pas, c'est du solide. Nous allons casser du Viet », répète joyeusement la troupe. « Et s'ils ont des canons ?» « J'en fais mon affaire », affirme le lieutenant-colonel Pirotte, qui commande l'artillerie.
D'ailleurs, jamais ils ne pourront monter des canons là-haut. Derrière ces montagnes, depuis 7 jours et 7 nuits, les Bodoïs de la 351e division d'artillerie sont en train de hisser, centimètre par centimètre, 48 pièces de 105 et de 75. La légende de Dien Bien Phu a retenu le nom d'un de ses artilleurs, To Vin Dien, dont le commandant Vin raconte l'histoire. Alors que le canon est presque au sommet, la corde casse. La pièce menace de dévaler la montagne et de s'écraser en bas. Alors le soldat To Vin Dien se couche en travers de la roue, faisant le sacrifice de sa vie pour sauver le canon. Encore un exploit imprévu et réalisé à la force de milliers et de milliers de bras. L'état-major Viet Minh hésite encore entre deux tactiques. Enlever le camp retranché par un assaut général ou le grignoter lentement. Il opte d'abord pour la première solution, peut-être poussé par les deux généraux chinois qui le conseillent en secret. Mais au dernier moment, Tiap décommande l'attaque prévue pour le 25 janvier. Trop risqué. Cette décision de changer le plan opérationnel et de retirer de gros les troupes qui étaient déjà un dispositif de combat sur le front de Dien Bien Phu constitue pour moi une des plus grandes décisions et une des décisions les plus difficiles dans ma vie de commandant. Mars 54, la conférence de Genève approche. On ne peut plus attendre. L'attaque est fixée au 13 mars, 17h. Premier objectif, Béatrice, tenu par un bataillon de Légion. Le premier obus de 105 tue le commandant et tout son état-major. Les abris n'étaient pas prévus pour un tel calibre. Deuxième surprise, la contre-batterie française n'arrive pas à faire taire les canons Viet, enterrés là-haut dans le flanc de la montagne et qui bombardent la piste d'atterrissage. 5 chasseurs ont été détruits. Les autres avions sont obligés de décoller en catastrophe. Une marée humaine se lance alors à l'assaut de Béatrice et de Gabriel. La première vague saute sur les champs de mines, la seconde sur les charges plates, la troisième se fait hacher par les mitrailleuses françaises. Le commandant Vin a participé à ce combat. Il se souvient de l'exploit de l'un de ses camarades, lui aussi entré dans la légende de Dien Bien Phu, et dont le nom est inscrit sur cette stèle, au sommet de la colline, le soldat Phan Dinh Jot. N'arrivant pas à neutraliser la mitrailleuse française qui tirait à travers une meurtrière, il sauta sur elle et la couvrit de son corps. À la lueur des étoiles et des fusils d'artillerie qui éclairent le ciel, nous avons tous vu notre camarade mort en héros ici. Alors le chef de notre unité a crié « Sung Phong » en avant. En 6 heures, Béatrice et Gabriel sont submergés. Le 16 mars, le 6e BPC, les fameux paras à casquette du commandant Bijard, est largué sur Dien Bien Phu, isolé du monde. La piste d'atterrissage est sous le feu des canons Viet. Désormais, le camp sera ravitaillé uniquement par parachutage. Par les Dakota français et par les Paquettes, pilotées par des mercenaires américains, les célèbres tigres volants du général Chenaud. Désespéré, le colonel Pirotte se suicide en dégoupillant une grenade sur son cœur. À l'état-major de Castres, stupeur et consternation, accablé, celui-ci confie le commandement des opérations à 2 paras, 2 bêtes de guerre, qui vont être l'âme de la bataille, le colonel Langlais
et le commandant Bijard, dit Bruno. Les Viet ont eu des pertes très lourdes, 1800 tués et autant de blessés. Aussi Giap donne l'ordre de creuser des tranchées. On va grignoter le camp. Après la bicyclette, la pelle et la pioche sont les armes secrètes du Viet Minh. Une armée de termites avance mètre par mètre, creusant le jour, attaquant la nuit. Le 30 mars, Giap vient en personne à Dien Bien Phu pour lancer une nouvelle attaque. 12 000 hommes se lancent à l'assaut des cinq collines, les deux Dominiques et les trois Eliane. Pendant toute une semaine, le colonel Langlais, surnommé le Grand Pierre, encourage ses troupes en leur chantant sur son poste radio « T'en fais pas la Marie ». Après 8 jours de combats acharnés, 3 des 5 collines restent entre les mains des Viet. Mais à quel prix? Depuis le début, 7 000 tués et 12 000 blessés. Les pertes étaient terribles parce que les gens se battaient dans les tranchées. Et alors, dans les tranchées, c'est surtout la plaie crânio-encéphalique. Il y a eu une complication terrible. C'est que là, dans cette région, il y a une mouche jaune qui venait déposer ces vers, ces œufs dans la plaie. Et comme c'est une plaie, c'était une plaie en crayon encéphalique, ça grouillait de vers à l'intérieur du cerveau. Alors les types souffraient, criaient, hurlaient, parce que... Alors je me rappelle une fois, il y a un soldat qui souffrait tellement, il y a l'instructeur, enfin, le commissaire politique venait dire, enfin, ayons plus de courage, il ne faut pas trop crier. Vous dites ça parce que vous n'avez pas les vers dans votre crâne, dans votre cerveau. Le 6 avril, Giap décide d'arrêter sa seconde offensive. La tactique des vagues humaines coûte trop cher. Il n'a plus de réserve. Il doit réclamer 25 000 recrues, rappeler la division 304 et le TD9, le régiment de la garde qui protège le gouvernement Viet Minh. Il commence à racler les fonds de tiroir. Et il lance une campagne de mobilisation et de rectification. Le moral de ses troupes est en train de flancher. Le 10 avril, Bijard en profite pour lancer une contre-attaque et reprendre Eliane 1. Un bataillon de légionnaires et un bataillon de paras vietnamiens donnent l'assaut comme à la parade. Mille blessés s'entassent dans les souterrains ou torse nus. Le médecin commandant Grosvin opère 24 heures sur 24 dans une atmosphère si écœurante qu'il fume pour ne pas vomir. Plus de la moitié des parachutes atterrissent maintenant du côté Viet Minh, qui récupère ce ravitaillement et ses munitions qui lui tombent du ciel. Dans l'une de ces caisses, les soldats de Giap découvrent un jour 2 étoiles de métal doré et 12 bouteilles de champagne. Elles étaient destinées au colonel de Castres, nommé général. 80 canons de 37, dont la moitié sont servis par des Chinois, abattent en un mois 50aine d'avions français. Ce jour-là, un L4 de l'aéronaval est descendu en flammes.
Le pilote a sauté en parachute. C'est le second maître Robert, le plus jeune pilote du porte-avions à Romanche. Amené au PC de la DCA, devant le commandant Fouque, un martien face à un paysan soldat. Pourquoi nous faites-vous cette guerre injuste? J'obéis aux ordres. Les haut-parleurs du Viet Minh diffusent en français, en arabe et en allemand « Dien Bien Phu sera votre tombeau ». Sur les berges de la rivière Nam Yun, près de 1000 déserteurs se cachent dans des trous. On les a baptisés les rats de la Nam Yun. Pourtant d'autres, comme les para-vietnamiens du 5e Bawan ou le 4e régiment de tirailleurs marocains, se font hacher menu en chantant la Marseillaise. Le 22 avril, la division 308 s'empare de la piste d'atterrissage, qui n'est plus depuis longtemps qu'un cimetière d'avions. Fin avril, il ne reste plus que 3000 combattants valides sur les 16 000 jetés dans la bataille. La fin est proche. Pourtant, tout le monde se raccroche à un fol espoir. Les Américains. Depuis un mois, M. Bideau demande au secrétaire d'État Dulles le soutien des avions américains. Il est même question de bombes atomiques. Une super forteresse venant des Philippines a survolé Dien Bien Phu en secret et pris des photos. Tout est prêt. Mais les Anglais ne sont pas d'accord et le président Eisenhower s'y oppose. Trop tard, la conférence de Genève commence fin avril. M. Chou En-Lai a le sourire. C'est la première fois que la Chine communiste participe à une grande rencontre internationale. Depuis la mort de Staline, M. Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, est beaucoup plus aimable. Il lui arrive même de dire oui. M. Van Vandong a quitté sa tenue de maquisard en passant par Moscou. Il s'est acheté des vêtements civils car il est devenu ministre des Affaires étrangères du Viet Minh. La délégation française fait déjà figure de vaincue. Pendant toute une semaine, on parle de la Corée sans conviction. Tout le monde a les yeux fixés sur Dien Bien Phu. Comme un homme qui se noie, M. Bideau s'accroche désespérément à l'idée que les Américains vont intervenir et ne le feront pas. Premier mai, les Bodoï des divisions 308, 312 et 316 attendent le signal. Ils vont peut-être mourir, mais ils sont sûrs de la victoire. Sur chaque colline, légionnaires et paras vont se battre pendant une semaine jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière cartouche, au corps à corps. Comme sur Elian 2, où les survivants du premier bataillon de paras coloniaux qui ont sauté la veille sur le camp tiennent le point d'appui sous les ordres du capitaine Jean Pouget. Je suis monté sur Elian 2 pour en prendre le commandement. 20 heures après avoir atterri. Pour l'atteindre, déjà, on avait mis presque une journée, alors que ça se trouvait à 2 km. Il y avait un mètre en moyenne de boue liquide dans les tranchées. Les Viettes étaient environ entre 3 et 5 mètres. C'était une tranchée couverte qu'ils avaient construite avec des droites meurtrières. Et on échangeait, là, par nuit, par 24 heures, si vous voulez, environ de 3 à 5 000 grenades. À partir de 4 heures du matin, nous avons eu une accalmie. Et à ce moment-là, j'ai pu faire le tour de toutes les tranchées, rassembler, ramasser les blessés, rassembler les survivants. Et je les ai comptés à ce moment-là. Nous étions 35. Dans certaines tranchées, il y avait tellement de cadavres Viet Minh ou français qu'on était obligé de marcher à quatre pattes. On sortait, on avait tout le buste découvert, on marchait sur les cadavres. Il restait un chargeur de mitraillette, et une grenade, celle que je tenais à la main. J'ai demandé à ce moment-là, au seul poste de liaison que j'avais d'ailleurs, qui était avec le colonel Vado, je lui ai dit, voilà la situation, puisque vous ne pouvez pas m'envoyer de renfort,
Et il m'a dit, où voulez-vous que je les prenne? Vous savez bien, aussi bien que moi, qu'il n'y a plus rien. Alors donnez-moi l'autorisation de tenter une sortie. Et il m'a répondu, très simplement, sans faire d'esbrouf, il m'a dit, il n'en est pas question, il faut s'accrocher tant que vous pourrez, et puis après tout, vous êtes parachutiste, vous êtes là pour mourir. J'ai dit, merci mon colonel, j'ai terminé pour moi, je détruis mon poste. Et j'ai tiré 3 balles de carabine dans mon poste. À partir de ce moment-là, je me suis assis en haut de la colline, au bord du cratère, et j'ai regardé le paysage. Et Dien Bien Phu brûlait. C'était les obus qui explosaient, c'était superbe. Regardez ça au clair de lune des lucioles qui descendaient doucement dans le ciel. Et vers 4h30 ou 5h du matin, je les ai vus sortir de terre. Mais vraiment sortir de terre. Ils étaient là. Ils se touchaient. Ils étaient sur plusieurs rangs d'épaisseur. Ils étaient à 20 à 25 mètres de moi. Et j'entendais très bien les cris dégradés. Ils disaient « Divé, 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 en avant. Divé Maolen, en avant, vite. » Et je me suis replié avec mes 2 radios. Et le lieutenant Julien, qui était mon adjoint, et qui a tenu à rester là, avec moi, on s'est replié dans une portion d'abri, une portion de tranchée couverte. Nous avons constitué un barrage à l'entrée avec des cadavres. Nous n'avions pas de sac de sable et nous avons attendu. Et là, on a vu arriver un par un des ombres, c'était les attaquants Viet Minh, les Bodoy. Ils ne tiraient pas puisqu'ils n'avaient pas de réponse. Et ils se sont sautés dans un trou à quelques mètres de là. Et c'est là où j'ai pris la décision de lancer ma grenade dans le trou. Et nous avons eu immédiatement la riposte. Une des dernières impressions, c'est de sentir le mur de cadavres contre lequel qui tremblait sous les rafales. Et j'ai dû recevoir une grenade à ce moment-là qui a explosé sur mon casque. Parce que le casque, le filet était brûlé et le casque était enfoncé. Mais les casques américains sont très solides. J'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'avais au-dessus de moi, sur mon visage, tout près, un chirurgien, c'est-à-dire un masque de chirurgien, d'où est sortie une voix qui me disait « Vous êtes prisonnier de l'armée de la République démocratique du Vietnam. Ne bougez pas, vous êtes grièvement blessé et nous allons vous soigner. » Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai quitté le monde grec, latin, judéo-chrétien pour passer dans un autre monde, celui des termites rouges. C'est l'Alali. Le 7 mai, vers 16h, les premiers éléments de la division 316 traversent le pont sur la Namyung. En tête, le porte-drapeau. Il s'appelle Vin, il a 19 ans. Après avoir fait sauter à coups de cocktail Molotov 2 chars qui montent la garde, il s'approche avec 2 camarades d'un abri qui se trouve à proximité. Un de mes camarades va vers l'entrée de droite, un autre vers l'entrée de gauche. Et tous deux lancent une grenade à l'intérieur. À l'époque, l'abri était beaucoup plus haut et couvert de sacs de sable. Alors, je plantais l'invincible drapeau de Longuero entre 2 sacs de sable. C'est le quartier général français, conservé aujourd'hui comme monument historique. À l'intérieur, le général de Castres est entouré de son état-major. Moment cruel pour des soldats qui viennent de se battre pendant 56 jours à 10 contre 1, que celui où ils sont obligés de s'avouer vaincus. Ils ont commis des erreurs, et d'abord celle de sous-estimer leur adversaire, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont le sentiment d'avoir détruit le corps de bataille de Giap, ce qui est vrai, et qu'il suffirait de peu de choses pour faire basculer la victoire de leur côté.
ce qui est une illusion. Ils ont l'impression d'être abandonnés. Aussi cette défaite a-t-elle un goût amer. Une défaite personnifiée par le petit soldat Vin. Alors un capitaine français qui parle vietnamien sort les mains en l'air et dit « J'invite un officier du Viet Minh à entrer dans le PC où se trouve l'état-major de Điện Biên Phủ. » Mes camarades et mon chef, nous entrons dans le PC de De Castri et nous crions « Haut les mains !» Tout l'état-major composé de 34 officiers était là et lève les mains. Je me souviens que le général de Castri portait un short, un calot rouge, des étoiles dorées sur les épaules. Le camarade chef de notre unité a parlé en français avec le général qui lui a annoncé « J'ai donné l'ordre de cesser le feu il y a 5 minutes. » 9000 prisonniers, dont la moitié sont blessés, partent pour un long calvaire. 2 mois et demi plus tard, à 300 km de Dien Bien Phu, le célèbre cinéaste soviétique Carmen organise toute une mise en scène pour montrer au monde l'armée française humiliée. Ils appartiennent à 10 nationalités, officiers français, légionnaires allemands, tirailleurs algériens ou marocains, tous soldats de métier. 3000 d'entre eux ont été volontaires pour Dien Bien Phu et ont sauté de nuit en parachute pour la première fois de leur vie. Humiliés jusqu'au fond de l'âme, parce qu'ils croyaient dur comme fer à la supériorité de l'homme blanc et de l'Occident. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Alors commencent pour eux les cours d'endoctrinement sur le marxisme, la guerre révolutionnaire, les principes de Mao. Le général de Castro n'est pas convié à ces séances. Le Viet Minh a renoncé à rallier cet aristocrate à la cause du peuple. On lui a laissé sa cafetière. Symbole dérisoire, elle se trouve aujourd'hui au musée de la guerre de Hanoï. Il ne suffit pas au Viet Minh d'avoir remporté une victoire militaire, comme toutes les religions, il lui faut aussi conquérir les âmes. Nous étions d'abord des criminels de guerre, ça c'était la définition même du prisonnier. Criminel de guerre, il ne mérite qu'une chose, la mort. Comme il mérite la mort, et si on ne lui donne pas, c'est qu'on est clément. Donc on nous appliquait la politique de clémence du président Ho. Ça ne forme qu'un seul mot, ça. Nous étions protégés par le président et le peuple du Vietnam. Et à ce moment-là, nous étions considérés donc comme les fils du peuple français, l'ami du peuple vietnamien, des fils égarés. Et grâce à Dieu, nous avions été prisonniers parce que le commissaire politique et le peuple vietnamien allaient nous donner la vérité. Je hais ce mot depuis ce jour-là. Je ne l'écris jamais. Et on nous faisait un cadeau somptueux, pas seulement la vie, mais ce qu'on allait faire de nous, non pas des communistes, parce que nous n'étions pas dit, mais des combattants de la paix. Et mes camarades, qui ont été prisonniers 2 ans ou 4 ans avant, ont subi le cycle. Et le cycle, dans son ensemble, ça représente, il faut bien le dire, de 60 à 70% de morts. C'est-à-dire un pourcentage supérieur à celui des camps de concentration allemands. Le péché mortel de l'humanité. À Paris, le gouvernement Laniel tombe. Il est remplacé par Pierre Mendès-France dans une atmosphère de salut public. Depuis 4 ans, Mendès-France réclame des négociations directes avec le Viet Minh. Il constitue un gouvernement d'union nationale avec Mitterrand à l'intérieur, Edgar Faure aux finances et pour la première fois des gaullistes, le général Koenig, Christian Fouché, Chaban Delmas. Il est plébiscité par le Parlement, 419 voix contre 17. Les communistes ont voté pour. Il monte à la tribune et lance un pari. Il donne 1 mois au Viet Minh pour conclure la paix, sinon il enverra le contingent en Indochine. Il accourt à Genève et pendant 1 mois négocie jour et nuit, en tête à tête. Avec Chuen Lai,
qui pour acheter son billet d'entrée sur la scène internationale est prêt à faire de larges concessions. Avec Molotov qui le soutient, car il souhaite lui aussi la paix en Asie, à cause de la détente. Avec M. Hayden, qui préside la conférence et qui se souvient que Mendès France était pilote pendant la guerre à Londres. Toutes les semaines, il parle aux Français à la radio pour les tenir au courant des pourparlers. Après 30 jours et 30 nuits de suspense, il gagne son pari, avec seulement 4 heures de retard. Le 21 juillet à l'aube, un cessez-le-feu est signé par le général Delteille pour la France et le général Ta Quang Bu pour le Viet Minh. Il n'y aura pas de traité. Les Américains ont refusé de signer à côté de la Chine communiste. Déception pour Hanoï, le Vietnam est divisé en deux zones provisoires le long du 17e parallèle. Avant 2 ans, des élections générales doivent avoir lieu pour réunifier le pays. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. En septembre, les prisonniers de Dien Bien Phu arrivent à Hanoï. La moitié d'entre eux sont morts en captivité. Le général Cogny les accueille avec un sourire crispé. Le cinéaste Pierre Schoendorfer, le photographe Daniel Camus, le général de Castres. L'infirmière Geneviève de Gallard, la seule femme du camp retranché, l'ange de Dien Bien Phu. Adieu le Tonkin. Adieu Hanoï. En octobre, les derniers soldats français quittent la ville déserte, filmés sans innocence par le cinéaste soviétique Carmen. Ainsi prend fin, par un triste jour de crachin, l'aventure coloniale de la France au Tonkin, commencée sous Napoléon III. 80 000 morts, 3 000 milliards de francs, pour rien. La Légion va retrouver ses quartiers à Sidi Bel Abbès. L'armée française va traîner son amertume sous d'autres cieux. L'Indo va lui coller à la peau, pour toujours. Elle tiendra le gouvernement pour responsable de sa défaite et ne lui pardonnera jamais. Parce que la France, en Indochine ou en Algérie, jusqu'en 1958, il n'y a jamais eu une politique de la guerre. Il n'y a jamais eu une conduite de la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le 13 mai 1958. Le 13 mai 1958, c'est la conséquence de la bataille de Dien Bien Phu. Si pour le tiers-monde et pour tous les peuples colonisés, Dien Bien Phu est devenu le 14 juillet de la décolonisation, pour les lieutenants et capitaines d'Indochine, qui étaient capitaines ou commandants en Algérie, eh bien, eux, ils ont compris que tant qu'on ne changerait pas le système, comme on disait à ce moment-là, avec un certain mépris, entre guillemets, et tant que la France n'aurait pas une politique, quelle qu'elle soit, parce que je vous le répète, un soldat est prêt à servir n'importe quelle politique du moment qu'elle vient d'un gouvernement légal et légitime. On avait parfaitement compris ça, et c'est pour ça que le 13 mai, ça n'a pas été un coup d'État, mais pour la première fois, l'armée a fait pression sur le pouvoir civil pour changer le régime. Une des règles fondamentales, sinon la plus fondamentale, de la science militaire vietnamienne, c'est qu'à la guerre, il faut vaincre. Absolument vaincre. Les Français partis, les soldats de Diap vont prendre possession de Hanoï et de ses bâtiments publics, symboles du pouvoir, la Banque d'Indochine et le gouvernement général. Après 7 ans de guerre, on remet la pendule de l'histoire à l'heure de 1945. Les Français se replient dans le sud,
le Viet Minh contrôle le nord du pays. On repart à zéro. Le lendemain, le peuple fête son armée dans Hanoï libéré. Trente ans plus tard, dans les lycées de Hanoï, les élèves écoutent leurs professeurs parler de la grande victoire de leur père, Dien Bien Phu. Il leur raconte bien sûr la légende du héros qui s'est jeté sous les roues du canon et celle du Bodoy qui a plaqué sa poitrine contre une mitrailleuse française. Garçons et filles écoutent d'une oreille plutôt distraite, apparemment ennuyée. C'est si loin tout ça. Le plus important, dit le professeur, c'est la leçon de Dien Bien Phu. La voici. Cette victoire a démontré la justesse de la ligne politique du parti, de son bureau politique et de son comité central. Et maintenant, conclut-il, sans sourciller, Mademoiselle Juan va réciter un petit poème pour nos hôtes étrangers. Tôi băng mình chạy miết, lao vọt khỏi rào cao, nghe đạn giết trên đầu, bốn phương vang tiếng thét. Lấp lấp bay qua tường, hồn bấy lâu chứa chất, dồn sức lên đầu mác, thẳng tay phóng giữa tim, cho xài lang tan sát. Avant l'attaque, je cours, j'entends les balles siffler à mes oreilles, j'entends les cris et les hurlements autour de moi, je concentre toute ma haine à la pointe de mon épée pour l'enfoncer dans le cœur de l'ennemi et le faire éclater en mille morceaux.